Avant la double confrontation face à la Lituanie, samedi puis mercredi prochain, les Bleus partent un peu dans l'inconnu. D'abord, le style de jeu lituanien, un peu flou pour Raymond Domenech. Bonjour à tous. Ils ont un style de jeu qui n'est ni un jeu de contre, ni un jeu de conservation de balles, qui est un compromis entre les deux. Ils sont capables d'aller chercher l'adversaire, mais ils sont capables aussi de se replacer, de défendre. Ça, c'est le match qui va nous donner les directives. C'est justement ce que je demande toujours aux joueurs. On part sur des idées, sur des bases, mais la qualité d'une bonne équipe, c'est de s'adapter à ce qui se passe sur le terrain. À partir des 5 premières minutes, on doit savoir à qui on a affaire. C'est ce qui fait une équipe. Ensuite, la défense des Bleus, elle est en chantier. 11 buts encaissés en cette rencontre. Pour Patrice Evra, il faudra du temps. Il faut trouver le juste équilibre. Je veux dire, moi, par exemple, pour un latéral gauche, si tu défends trop, on va te dire que tu n'as pas assez attaqué. Et si tu attaques trop, on va dire que tu n'as pas bien défendu. Donc, il faut trouver cet équilibre. Mais bon, après, il faut qu'on travaille un peu plus ensemble, qu'on se parle plus. Et ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais une défense, ça se forge pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, aussi en attaque, il y a problème. Anelka forfait, Ouaro appelé, Gignac incertain. Tout dépendra donc du Toulousain. Il a ressenti un petit truc, donc on n'a pas de certitude pour le moment. Déjà pour le match de samedi, on va le soigner au mieux pour ne pas prendre de risques. Donc, on est hésitant déjà pour le match de samedi, peut-être mercredi, mais ça dépend de Gignac, on verra. On va attendre quelques jours pour faire un choix. On a le premier match à jouer et en fonction de ce qui se passera et les besoins, on a le temps de rappeler quelqu'un pour le deuxième match. Lituanie-France, c'est samedi 28 mars à 20h45 en live sur sports.fr.